Est-ce que quelqu'un d'autre a entendu ce bruit bizarre ? Non, j'ai rien entendu. Mais quand je médite, j'ai tendance à me fermer à ce genre de distraction. C'est bizarre, c'est pas un des bruits habituels du Mantis. Et j'ai l'impression que ça venait de l'intérieur. Un passager clandestin ? Il faudrait qu'il soit minuscule, Grise. Ce vaisseau n'est pas si grand. Peut-être, je sais pas trop. Il y a aussi de la bouffe qui a disparu. Des odeurs étranges. Ah, ça sent les droïdes ? Non, pas que je sache. En tout cas, ils ne mangent pas. Ah, je vais aller mener mon enquête. Si je trouve quelque chose, je te le dirai. J'espère. Assieds-toi, petit gars. On va bientôt se poser. Ça va fonctionner ? Cordova a réussi. Tu pourras y arriver. Elle a raison. Eh oh, est-ce que vous avez faim ? J'avais prévu de me faire griller des steaks de Skaz. Désolé, je vous dérange ? Non, capitaine. Et on ne serait pas allé aussi loin sans ton aide. Oh, C'est la vérité, Grise. Ah, merci. Eh, j'espère que tu finiras par trouver ton holotruc. Holocron. Vous êtes sûr de vouloir trouver cette liste ? De quoi tu parles ? Les enfants de cette liste. Si on les éloigne de chez eux pour en faire des Jedi, n'est-ce pas les mettre en danger ? L'Empire ne doit pas pouvoir s'en emparer. Elle nous aidera à mettre un terme à l'Empire. Ah, changement de plan, on est presque arrivés. Oh, Grise. Ouais ? J'aime mon steak très saignant. Ok, ça je sais faire. Cet endroit a quelque chose de bizarre. L'énergie est différente par ici. Rien à voir avec Datomir. Non. Datomir est complexe. Son pouvoir ancestral émane de l'ombre. Bogano a l'air plus simple. Pourtant, je n'arrive pas à comprendre. Bogano est unique. C'est pour ça que les Efaux y ont bâti leur sanctuaire. Là où se trouve l'Holocron. Caché. Où veux-tu en venir ? Cette planète est restée presque intacte pendant des siècles. Les vies que tu veux protéger étaient-elles vraiment menacées avant que tu interviennes ? On est clairement plus sur Datomir, là. Non, effectivement. C'est comme tu l'imaginais ? Je veux dire, le reste de la galaxie. C'est si grand. Je réalise que ma vie sur Datomir était restreinte. Ça m'a fait pareil quand j'ai quitté Braca. Le monde peut sembler petit quand on vit dans le passé. Je pense que je vais me plaire à bord du Mantis. Les Jedi que nous formerons contribueront à bâtir une galaxie qui préserve des endroits comme celui-là. Est-ce que ce sera leur choix ou le tien ? On a besoin les uns des autres. Sans les Jedi, pas sûr qu'on survive. Il est de notre devoir de les protéger. J'ai compris, oui. Cal, tu as une seconde ? Tu as beaucoup appris pour en arriver là. Mais le sanctuaire reste un mystère. Cordova y a caché l'Holocron. C'est tout ce qui compte. Je dois aller le chercher. L'épreuve de Cordova pour le défendre est périlleuse. Vous avez peur pour moi ? Je ne veux pas être seul à former tous ces novices. Ça ira, Serré. Et puis, j'ai BD pour m'aider. Je sais. Mais faites attention. Vous n'avez peut-être encore jamais rien vu de tel. Merci. Je suis prêt. Et BD aussi. Prenez soin l'un de l'autre. Vous êtes prête à affronter la suite ? Oui. Et toi aussi. Je l'ai vu. Tu as beaucoup progressé, Cal. C'est grâce à vous. C'est gentil de me dire ça, mais je ne serai pas dans le sanctuaire avec toi. Si, vous serez là. D'une certaine façon. Contente de t'avoir trouvé, Cal. Bonne chance. Et n'oublie pas, réfléchis avant d'agir. Cordova a dû prévoir une épreuve qui n'est pas à la portée de tous. Que la Force soit avec toi. Yeah.
je ressens un truc étrange. Ça va te paraître bizarre, mais je crois que c'est l'astrium. Plus on approche du sanctuaire, plus la sensation est forte. Attention, BD, on ne sait toujours pas comment ça marche. C'est parti, BD. Je les guiderai sur la voie de la Force. Maître Kestis... Nous commencerons par la préparation physique. Qu'est-ce que la Force ? Rassemblez-vous autour de moi. Maître Kestis ? Vous pensez que l'Empire nous trouvera ? Toi immédiatement et nous épargnerons les plus jeunes. C'est très bien. Mets-toi à genoux. Pourquoi ? Je ne veux pas être ici !
J'avais peur de te trouver ici. Oh, je ne te croyais pas capable d'un tel discernement. Et moi qui croyais que ta plus grande qualité était ton obstination risible à passer d'un fiasco à l'autre. Alors tu aurais peut-être dû me tuer sur Braca. Quelle importance. Ce n'était que la vie dérisoire d'un padawan contre ce qui me vaudra les grâces inestimables de l'Empereur. Tu penses que je vais te laisser partir avec l'Holocron ? Bien sûr que non. Nous sommes fiers tous les deux. Mais ta fierté à toi t'a coûté la vie de tous les enfants sensibles à la Force sur cette liste. Sans parler de la tienne. Comme tu l'as dit, Trina, je suis obstiné. Toujours en train de mourir. Attention avec ça. Il a vu l'enfer. Non, attendez. Se séparer est une mauvaise idée. Non. Je vais les éloigner d'ici, et ensuite je les contournerai. Reste avec les novices, Trilla. Que la Force soit avec toi. Maître, restez avec nous. Trilla, qu'est-ce qu'on va devenir? Ça va aller. Arrêtez-la. Prends ça, Jedi. Plus d'unités de
combat rapproché. Ça risque d'être compliqué. Tu repartiras pas d'ici vivant. Serré. J'ai vu ce qui est arrivé. À propos de vous, Itrilla, et ce que vous avez vécu. Je suis vraiment désolé. J'ai été arrogant et je me suis mal conduit. Je ne peux pas comprendre ce que vous avez traversé. Elle a notre Locron. Je ne sais pas où elle l'a emmené. C'est entièrement ma faute si Trilla a suivi cette voie. Et ce qu'elle va faire par la suite est la somme de toutes mes erreurs. Mais nos erreurs relèvent du passé. Nous nous devons de les assumer, préparer l'avenir est la seule chose qui importe. C'est vous qui m'avez appris ça. Tu as raison. Je sais où elle l'a emmenée. Dans une forteresse. Où ils traînent les Jedi. Et d'où viennent les Inquisiteurs. C'est un lieu de torture. C'est le lieu que j'ai fui. J'aurais jamais cru y retourner un jour. Vous ne serez pas toute seule. Mais avec un ami. Non. C'est avec un Jedi que j'irai. À genoux. Au nom du Conseil Jedi, et au nom de la Force, Cal Kestis. Debout, chevalier Jedi. Maintenant, tu es prêt. Tout comme vous. De vrais progrès, Cal. Contente que tu sois là. Ah, on a une galaxie à sauver. Ce ne sera pas facile. Tu es sûr d'en être capable? Un instant. Construire l'ordre. Tu crois que les Jedi vont sortir de leur trou? Qu'est-ce qui te fait dire que des Jedi se cachent? Rien, c'est comme ça. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier?
Quand j'étais gamin, on nous parlait d'un maître Jedi légendaire, vert, aux oreilles pointues et... Est-ce que tu veux parler de maître Yoda? Oui, en effet, c'est une légende. Hein? Qui? Quoi? Non, non, je veux parler de maître Yaddle. Le membre du Haut Conseil Jedi? Ouais, on a tous des rêves, ok? Touche pas au mien. Pas de problème. Assieds-toi, petit gars. On va bientôt se poser. C'est pas bon. Face à des défenses pareilles, nos stratégies de routine seront trop justes. Je connais un moyen. Que comptes-tu faire? Un rituel pour cacher votre vaisseau, si je peux. Un rituel? Elle a du talent pour ce genre de choses. Quoi? Oh, et une petite minute, on se calme. Qu'est-ce que ça implique, ce rituel? Un sacrifice. L'un de tes bras devrait me suffire. C'est une blague. Ne sois pas si sérieux. Rejoins-moi à l'avant. Mes sœurs, ma mère, donnez-moi votre force. Mes sœurs, ma mère, donnez-moi votre force. Quoi qu'elle fasse, ça fonctionne. Quelles sont nos chances, selon toi? Je mise sur toi, petit gars. Allons-y, BD. Une fois à l'intérieur, je pourrai m'attaquer à leur défense, ainsi que saboter leur capteur pour que le Mantis puisse nous extraire. Toi, tu trouves l'holocron. On reste pas ensemble? Je sens l'appel. La vie de chacun des enfants sur cette liste est en jeu. Quoi qu'il arrive là-bas et quoi que tu puisses voir, ne t'occupe pas de moi, d'accord? Prends l'holocron et va-t'en. On est à la forteresse. C'est l'heure. Escouade, feu! Ils sont en charge! Allez, faut insister!
qui nous va vaincre. Tu vas le payer. Cal, tu es là? Ouais. Content de vous entendre, Zéré. J'ai localisé l'Holocron. Je te communique sa position. Bien sûr. On se met en route. Porte verrouillée, je te présente BD1. Humain sans intérêt. C'est fini. Vous le regretterez. Bon critique. Ici, BD. Ce truc a besoin de courant. Jusqu'au donjon central. Ça, c'est un sacré plan. On se retrouve là-bas.
Bonne chance. C'est compris. On y va, bébé. Cette section a l'air fragile. Fais-moi voir. On se rapproche. On a trouvé le Jedi. Bon sang. J'ai pas peur. Il est blessé. C'est comme le dojo du temple Jedi. Mais malsain et corrompu. Du terrain. Tu peux pirater la porte ? Blessé.
poursuivez leur arrive. J'ai compris, BD. Fais-moi voir. Rien de plus simple, pas vrai? Ça a l'air... Le Jedi, il est dans l'est d'interrogatoire. Descendez-le! Terriblement faible.
C'était le dernier. Cal, je suis tout prêt, mais un sas blindé me barre la route. J'essaie de trouver une console. Trouvé. Vous tenez le coup? Ne t'inquiète pas pour moi, nous avons une mission. Mais j'avoue, ça fait un bien fou de détruire cet endroit. Ils nous enfermaient dans cette prison. Je regrette qu'il n'y ait plus personne à sauver. Désolé qu'on ait dû revenir ici. Moi aussi. Mais nous n'avions pas vraiment le choix, non? Non, en effet. Allez, continuons. Oui, il est grand temps d'en finir. Aucun signe de Trilla? Non, pas encore. Le Locron est conservé dans la salle d'interrogatoire. C'est le lieu le plus sécurisé de la forteresse. Je t'ouvre la voie vers le Locron. Trouve le Locron. Je m'occupe des renforts et je te rejoins dès que possible. Voyons voir ça. On dirait un turbolift. C'est notre porte de sortie. On se rapproche. Hey, BD1. Merci d'être mon ami. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi avancé, même pour l'Empire. Ils ont brisé, torturé et converti au côté obscur. Porte verrouillée, je te présente BD1. Reviens ici.
Un autre steam. Je sais tout ce que tu as traversé. Tu as connu une immense souffrance. Tu peux te délivrer de cette douleur. Délivrer ? C'est cette douleur qui me rend plus forte. Je savais que tu reviendrais pour ça. Pas de merci. Tu ne sortiras jamais de cet endroit vivant. C'est la fin, Padawan. Aidez, j'ai besoin d'aide. Ça ne change strictement rien. J'ai besoin d'aide, BD. J'ai l'holocron. C'est à moi de le faire. C'est fini, Trilla. Tu sais que rien n'est jamais vraiment fini. Ce combat-là est fini. Je connais cette noirceur qui te dévore de l'intérieur. Mais chaque jour, tu as le choix entre la nourrir et l'affronter. C'est trop tard, Céré! Non. C'est faux. Je sais que les choix que j'ai faits ont entièrement condamné ton avenir. Je t'ai abandonné, Trilla. Je t'ai abandonné. Et j'en suis vraiment désolée. J'ai eu tellement de haine envers toi. Déçue, Inquisitrice. Vengez les nôtres. Cal, cours. Non. Il serait sage que tu te rendes. Toi.
Fichons le camp d'ici. Allez. Venez, attention. J'y arriverai. Serré. Je continuerai jusqu'au bout. Tiga, tu me reçois? Ils ne répondent pas. Ils vont bien. J'en suis certaine. Grise, je suis là. Je me dirige vers la surface. Prépare-toi. J'ai trouvé l'holocron. Mais Serré, elle ne reviendra pas à Grise. Serré? Renonce à l'holocron. Jamais je vous le donnerai. Nous verrons. Tant de haine. Tu aurais fait une excellente inquisitrice. Elle est plus forte que ça. Oui. La puissance du côté obscur. Je peux la sentir affluer en elle. Serré. Serré. Hé. Écoutez-moi. Vous avez le choix. Désolée. C'était toi dans l'eau, pas vrai? Contente que tu ailles bien. Il ne t'a pas quitté un instant. Merci. Et maintenant? Eh bien, capitaine, tes services ne sont plus requis. Tu as bien rempli ton contrat. Merci, Grise. Eh ben, si ça te dérange pas, je pensais que je pouvais peut-être rester un peu dans le coin et piloter pour vous.
En plus, je risque de manquer au petit. Que va-t-on en faire? On va s'en servir. Pour reformer l'Ordre Jedi. La nouvelle génération de Jedi. L'Empire voudra leur faire la peau, comme il essaie de le faire avec nous. Tous les enfants qui se trouvent sur cette liste verront leur existence bouleversée à jamais. Mais pas par nous. Leur avenir doit être confié à la Force. Alors, où allons-nous ?